Et bonjour à tous, ici le Ch'ti Player, on se retrouve pour un tout nouveau let's play, comme promis, le let's play de Super Mario Bros 3 sur NES. Alors attention, on est revenu au bon vieil émulateur, hein, parce que je n'ai pas de NES, hein, malheureusement. Hein. Enfin, disons que j'en ai plus. Enfin, disons, en fait, j'en ai jamais eu à moi. Voilà, comme ça, c'est clair. Parce que... En fait, je vais commencer par vous expliquer un petit truc. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo de Limbo, c'est un jeu que j'avais vraiment à cœur de faire parce que le, en fait, la part, je vais y arriver. C'est dingue comment je n'arrive plus à parler. Bon, on recommence. Donc, Super Mario Bros 3 sur NES est le premier jeu vidéo auquel j'ai joué de toute ma vie. Eh oui, rien que ça. C'était en 93, j'avais 5 ans derrière mooi. Et ouais. Oui, je sais, on a eu la NES très en retard, hein, puisque en 93, la Super Nintendo était sortie depuis 2 ans. De toute façon, on l'a, à la maison, la NES, on l'a pas eu longtemps. Hein, on l'a eu, je pense que qu'on l'a eu moins d'un an parce que la Super on a rapidement eu une Super Nintendo puisque de toute façon pour vous dire Super Mario Bros 3 est le seul et unique jeu de NES que je connais. Alors comme ça c'est clair. Bon enfin bref. Donc on va commencer. Oui, c'est on peut jouer à 1 ou à 2 mais comme d'habitude, je serai tout seul. Hein. Ouais, là la cinématique recommence. C'est dommage qu'il n'y ait aucun son sur l'intro mais bon. Au moins, elle a quand même le mérite d'exister, hein. C'est pas comme le premier. Ça, je vois encore celle du premier Super Mario Bros où t'as direct l'image avec le menu, rien d'autre, quoi, rien à foutre. Enfin bref. Donc, nous allons commencer, hein, trêve de bavardage. Ah oui, c'est sur Start pour refaire revenir le menu. Là, on fait mumuse, hein. Jeu de 1988 développé par Nintendo, comme vous pouvez le voir en bas, bien que les Koopas passent devant, c'est pas très pratique. Ah, une petite qui est en retard. Oui, je fais mumuse avec le bruit. Bon, allez, c'est parti! Monde 1! C'est le monde que je connais le mieux. Ah oui, au fait, voilà, c'est ça en fait. Je pensais à dire un truc et je savais plus quoi. Juste vous dire que vous allez avoir l'image qui va saccader un petit peu. Donc, ça va manquer un petit peu de fluidité, mais c'est. Vous allez parfaitement pouvoir voir ce que je fais, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je vous prie de m'en excuser, hein. Je ne peux faire mieux pourtant. Je m'attendais quand même à un mieux avec le PC que j'ai, mais bon. On fait avec ce qu'on a, hein. Allez, c'est parti. Niveau 1. Celui-là, normalement, je vais le torcher en 2 minutes. Le champibi a les plantes carnivores. Allez, c'est parti. Alors ici, attention, il faut shooter avec la Koopa pour avoir... La feuille qui nous transforme en raton laveur. Donc première apparition dans Super Mario Bros 3 de la transformation qui permet à Mario de voler. D'ailleurs, je vais vous montrer, il suffit. Vous avez remarqué peut-être cette espèce de barre en bas au-dessus du score avec ses petites flèches et un P. C'est ce qui indique ma vitesse de course et quand j'arrive au niveau du P, je peux décoller. Comme ça. Donc là, voilà, je vous montre. Voilà, il faut appuyer alternativement sur la touche A pour battre de la queue, si je puis dire. Voilà, si je lâche le bouton, voilà, il retombe comme une merde. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit truc rigolo. Là, normalement, je devrais décoller, suivre les pièces. Et bah, regardez. Je vais courir à fond. Et en fait, je vais me baisser juste avant de sauter pour décoller. Vous allez voir. Et hop. Ah, j'adore ce coup-là. Ah, celui-là, j'adore. Donc là, oui, j'ai un peu zappé. Voilà, on va récupérer notre première vie. Voilà. Bon là je vous explique, normalement on pourrait courir et décoller pour atteindre un tuyau, mais je vais pas le faire, je vais revenir ici, je vais descendre. Ouais d'accord, je joue bien, ça m'apprendra. D'habitude je passe pas par là aussi. Voilà, heureusement on avait une autre feuille qui nous attendait. Voilà, on peut tuer les plantes avec notre queue. Oui, pas de mauvaise allusion s'il vous plaît. Voilà. Bon. Voilà. Le petit P-Switch hein, qui fait aussi son apparition dans ce Super Mario Bros pour transformer les briques en pièces et inversement. Alors là, ce que je vais faire c'est je vais décoller d'ici. Oula, j'ai failli me prendre la Koopa dans la gueule. Voilà, et je rentre dans le tuyau. Et voilà, des pièces qui forment un 3 pour Super Mario Bros 3, c'est bien intelligent ça. Bon allez, on y va. Ah, au fait, petit passage, vous aurez remarqué l'espèce de bizarrerie à gauche là. Ah, je pensais au départ.
régler la zone de capture pour pouvoir qu'on ne la voit pas. Mais le problème, c'est qu'on ne voyait plus l'intro en entier. Enfin, le côté gauche de l'intro était coupé, donc... Excusez-moi, je suis à moitié malade. Bon, on va quand même se dépêcher parce que le timer, il avance. Donc là, je vais courir. Et hop! Course terminée! Vous avez obtenu une carte! Une carte étoile! Vous verrez l'intérêt des cartes. Comme vous remarquez, l'étoile s'est affichée en bas à droite. Voilà, et là, une carte, on peut se déplacer. Ça, la carte aussi, c'est une nouveauté de Super Mario Bros. 3 par rapport aux deux précédents. Et quand je dis les deux précédents, j'entends Super Mario Bros. Et le Super Mario Bros. 2 japonais, connu chez nous sous le nom de Lost Levels. Hein. Parce que le Super Mario Bros. 2 européen n'avait absolument rien à voir. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Hein. C'est une autre histoire. Bon, bref, c'est parti pour le deuxième niveau. Avec une musique que j'aime bien aussi. Une petite feuille. Bon, l'ennui c'est qu'une fois qu'on est en feuille, le fait d'en ramasser ça sert à rien, mais ça rapporte les 1000 points quoi. Voilà. Alors ici les pièces, faut pas les prendre. Ouais, si je jouais mieux, eux on va se les faire. Et voilà, je vais courir et repasser en dessous de... Voilà. Ce qui me dévoile un P. Hop. Alors attention à la plante carnivore. Alors ici... D'accord. Pourtant, je me suis mis sur le bloc, mais bon. Bon, là, je vais pas... tant pis pour la vie. Hein. Enfin, au moins, vous saurez qu'il y a une vie, là. Hein. Personnellement, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, donc... Voilà, maintenant, les pièces, on peut les prendre, on s'en fout. Par contre, c'est marrant, voilà, le truc revient. Ah, c'est vrai que je vous ai jamais montré ça. Tant pis. Je l'active pour le plaisir de la musique. Si j'arrive à... Voilà, regardez, là je suis coincé en dessous, si je me relève, hop. C'est un peu assez marrant ça. Alors lui, on va se le faire. Et reviens par ici. Voilà, une autre feuille. Ici, je me baisse pour glisser et ça tue les Goombas. Voilà, par contre là, les blocs-notes comme ça, il me semble que c'est aussi une nouveauté de ce Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3 avait quand même énormément de nouveautés par rapport aux deux opus précédents. Bon, allez, là, je vais le taper en dessous parce qu'il y a une étoile. Ben, elle sert pas à grand chose parce que la fin elle est juste derrière. J'ai juste abattu ce. D'accord. Bon, d'accord, laisse tomber. Lui, il va faire gaffe quand même. Ah, oh, merde, j'ai eu une fleur. Vous avez obtenu une carte fleur. Ouais. Allez, niveau 3. J'enchaîne. Parce que ça fait quand même déjà 8 minutes qu'on est ensemble. Voilà. Oh, bien joué. Alors là, ici, par contre, je vais faire un petit truc pour skipper une partie du niveau. Vous aurez peut-être remarqué aussi, au passage, le fait de pouvoir tenir une Koopa et la, avant de la shooter, c'est aussi une nouveauté de Super Mario Bros. 3. Voilà, là, ici, je me mets là, il y a un bloc caché. Voilà, celui-là, vous remarquez un bloc-note, sauf qu'il est rose, enfin rose-rouge, je sais pas trop la couleur. Faut dire que les couleurs sont un peu ternes sur la version NES, hein. Enfin, en même temps, la version NES, c'est la version d'origine. Je préférais... Je sais, j'aurais pu faire la version de Super Mario All-Star, mais j'ai préféré faire la version originale parce que c'est la version avec laquelle j'ai joué la première fois. Allez, on y va. Je me mets dessus et j'appuie sur le bouton de saut. Et je me retrouve dans les nuages avec un petit truc que j'aime bien. Si vous vous collez à gauche, Mario le skater. Ouais, ouais, c'était petit délire de jeunesse. Bon, là, ici, je peux prendre mon élan et décoller. Voilà, ici, il y a une vie. Mais où tu vas? Putain, mais c'est pas vrai, ça. Mais j'ai vraiment pas de bol avec ces vies, moi. Bon, voilà, je prends le tuyau. Oh là, vous avez vu le petit bug graphique, là? Allez, on y va. Alors ici, je vais vous montrer un petit secret. Il faut revenir en arrière, tuer cette Koopa. Ça dégage. Et ensuite, je me baisse et je ne bouge plus. Et hop! Alors voilà, comme vous pouvez le voir, je suis derrière le décor. Eh, c'est marrant ça. Il suffit de foncer vers la fin. Et voilà. Alors désolé, je me risquerai pas la traduction cette fois-ci, hein, parce qu'avec Super Mario World, j'ai eu de quoi. Hein. Mais là, disons qu'en gros, ça raconte que ce sifflet va m'envoyer dans un monde lointain. Oui, je l'ai quand même fait la traduction, mais bon. Donc il suffit de me mettre devant et d'appuyer sur B. Et j'obtiens une flûte.
Oui, ils disent siffler dans le jeu, mais moi je préfère appeler ça une flûte. Voilà. Ensuite, là, vous voyez une maison Toad. Voilà. Ouvre une boîte, son contenu va t'aider dans ta quête. Voilà. Bon, là, il suffit de me mettre devant un des trois coffres et d'appuyer sur B. Ah, une feuille. Vous aurez remarqué que la feuille est verte. Pourtant, ça, c'est très étrange parce que quand on l'obtient dans des blocs en faisant un niveau, elles sont marron. Mais quand on les a dans les maisons Toad, elles sont vertes. Bon, alors, les items en question que je viens de ramasser, je vais vous montrer. Quand on est sur la carte, j'appuie sur B. Voilà, je peux sélectionner un des deux items et me l'appliquer. Donc là, je précise au passage, petite précision, parce que sinon le let's play il pourrait se faire en 10 minutes montre en main, bien que ça fait déjà 11 minutes que je suis en train de jouer. Les flûtes, parce qu'il y en a plusieurs dans le jeu, je ne vais pas les utiliser, ce qui nous permettra de voir tous les mondes. Mais par contre, je ferai peut-être pas nécessairement tous les niveaux. Mais bon, voilà, donc si j'appuyais sur A, ça me permettrait... En sachant que quand on est sur le monde 1, je ne peux aller que jusqu'au monde 4. Bon, voilà, et puis je m'embrouille complètement en parlant. Et la feuille, bien sûr, je vais pas me l'appliquer puisque je l'ai déjà. Donc si j'appuie sur B, je reviens là et je peux me déplacer. Bon, allez, le niveau 4, on n'est pas obligé, mais on va le faire. Il n'est pas très compliqué, c'est un niveau à scrolling. Mais quand on a la feuille, c'est très facile. Voilà, quand on se met sur les plateformes, voilà, elle tombe. Voilà, alors si je dis pas de bêtises, voilà. Ah, mais putain, mais c'est pas vrai, pourquoi elles partent tout à gauche, les vies, c'est hallucinant. Mais c'est ça le pire en fait, c'est que les vies, je sais où elles sont, mais j'arrive jamais à les avoir. Ah, bon, là, je vais me dépêcher parce qu'il y a quelque chose ici. Toi, la coupe. Alors, je vais essayer de pas faire de la merde. Oh, bien joué. Je vous jure que d'habitude, cette coupe, je me la prends dans la gueule après l'avoir balancée. Là, ici, on se met là. Voilà, ici, il y a quelques pièces dans le bloc. Mais j'aurai pas le temps de toutes les ramasser. Et je crois que la fin, voilà, la fin, elle est là. Il suffit de rebondir sur la coupa. Mais non, qu'est-ce que... D'accord. Ah, dommage. Il y a eu la musique de la mort. Je vous ai pas fait le truc parce que... Quand on était jeune avec mon frère et ma soeur, on jouait énormément à ce jeu-là. Et avec le jingle de la mort, on faisait un truc bien marrant. Ah, par contre, j'aurais peut-être dû me prendre la feuille, tiens. Bon, à vrai dire, j'ai pas très envie de mourir exprès, mais bon. Bon, on va essayer de choper la vie. Oh mais d'accord, non mais n'importe quoi. Là je vais prendre le champignon. Bon, je vais arrêter de chantonner la musique. Bon, vous avez vu finalement que même sans la feuille, c'est très faisable. Bon, faudra quand même qu'on m'explique pourquoi mon Mario était reparti à gauche d'un coup, là. Ouais, on s'amuse avec le bruit. Bon, allez, on s'en va. Alors lui, le frère marteau, enfin... Voilà, là j'ai trois cartes, regardez ce qui va se passer. Voilà, si j'ai trois cartes, j'ai une vie. Et quand on a trois cartes, si jamais on a les trois cartes identiques, on a un nombre de vies en fonction de l'objet représenté. Le champignon, c'est deux vies, la fleur, c'est trois vies, et si on a trois étoiles, c'est cinq vies carrément. Allez, on va s'amuser. Bon, là, vous voyez cette espèce de pic, hein. Oui, un pic, comme sur les cartes. Hein. Allez, je rentre dedans. Vous avez vu que je suis pas obligé de le faire, hein. Alors là voilà, en gros il nous dit d'aligner les images et obtenez une prime. Ouais d'accord, si tu m'avais laissé le temps de lire. Bon là vous voyez les bouts d'icônes qui défilent. Alors je vous jure que réussir à reconstituer une image avec ce truc, bonne chance hein. Alors en fait il suffit d'appuyer sur A pour arrêter les... Putain je vais devenir malade à regarder ça. J'espère que vous êtes pas épileptique. Pardon. Bon, donc je le disais, il suffit d'appuyer sur A pour arrêter chaque ligne, donc du haut vers le bas.
On va essayer. Bon, évidemment, c'est comme pour les trois cartes, hein. Le champignon, c'est 2 vies. La fleur, c'est 3 vies. Et l'étoile, c'est 5 vies. Alors, on va essayer l'étoile. Hein. Tiens, tant qu'à faire. Ah, bah voilà, c'est loupé. C'est fini. J'ai plus qu'à arrêter au pif. Voilà, je me suis vautré lamentablement. Bon, allez, c'est parti pour la forteresse. Et là, il va y avoir un autre secret. Il y a une deuxième flûte à récupérer dans ce niveau. Alors, le truc, ça serait de pas se faire toucher. Eh oui, la fleur de feu, elle n'a pas été oubliée. Elle est toujours là. Par contre, il y a juste un truc que je tiens à dire. C'est que Mario, je le trouve extrêmement moche comme ça. Ah, franchement je trouve que la skin de Mario de feu elle est ratée, mais un truc de fou quoi. Ouais, bon, évidemment je vous montre un peu que je peux tirer des balles de feu. Bon, contre les flammes ça sert à rien. D'ailleurs je me demande pourquoi il s'emmerde à me donner une fleur de feu dans ce niveau quand on... Ouais, bien joué. Bon, c'est pas grave, je suis encore grand. Oui, parce que vous aurez remarqué que contrairement au premier Super Mario Bros, je ne deviens pas immédiatement petit, ce qui me permet de récupérer cette feuille. Ah oui, c'est vrai. On n'est pas dans Super Mario World. C'est vrai, des coups de queue ça marche pas contre les squelettes Rex. Bon allez, là on y va, je vais foncer vers la gauche et je vais décoller. Voilà, il suffit de passer au-dessus du décor. Voilà, là je fonce à droite. Et une fois que je peux plus avancer, un coup vers le haut. Et voilà. Bon, on aura skippé le boss, mais bon. Ouais, du coup ça n'a pas débloqué, puisque je vous explique, cette espèce d'icône qui est là juste au-dessus de Mario, c'est une sorte de cadenas qui normalement se déverrouille quand on bat le boss de la forteresse. Mais là, comme j'ai ramassé la flûte que j'ai skippé le boss, et ben ça n'a pas détruit le cadenas. Et je précise que les niveaux, je peux... Chose aussi, c'est que les niveaux, je peux pas retourner dedans. Là, j'appuie sur A, il se passe rien. Bon allez, on continue. Niveau 5, qui a un début que j'aime bien. Je touche à rien là. Voilà, quand on commence le niveau, Mario est automatiquement baissé alors que on touche à rien. Donc là aussi, je vais skipper une partie du niveau de la même manière qu'au niveau 3. Et une vie en plus. Mario qui skate, ouais, j'adore ça. Là, je vais essayer de décoller. Hey, regardez à droite, il y a le même bug graphique que tout à l'heure. Bon voilà, sauf que là, comme vous voyez, on n'est pas ramené directement à la fin du niveau, il y a encore du boulot. J'aurais dû continuer à courir après la carapace, ça m'aurait permis de... Voilà. De tuer la plante piranha, mais je m'en suis très bien chargé tout seul. Voilà, la fin du niveau est là. Ah, mais sérieux, je joue comme une merde. Normalement, je précise que normalement, quand on est avec le P clignotant et qu'on saute sur la case, on doit avoir l'étoile. Là, je sais pas ce qui se passe. Je pense qu'en fait, non seulement faut être avec le P clignotant, mais faut sauter avec un certain angle, en fait, si vous voulez. J'ai peut-être sauté un peu trop tard, en fait. Bon, allez, c'est parti pour le niveau 6. Alors là, si j'arrive à faire un bon truc... Et voilà, elle est pas jolie, celle-là. J'aime bien shooter les blocs comme ça, à distance. Par contre, je crois qu'il faudrait que... Ouais, regarde, hop. Ah, j'aurais dû... Voilà. Mais qu'est-ce qui... Attendez, le Mario se dit... Attendez, j'ai vraiment un problème, là. En fait, ça me rappelle un problème que j'avais eu quand je faisais Donkey Kong Country, ça. Reviens. Le problème, c'est que... En fait, si vous voulez, Mario s'était dirigé à gauche sans que je n'appuie sur la flèche. Et là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre le problème, en fait. Allez, voilà, la fin est plus très loin.
Le truc, c'est qu'au début, les niveaux sont assez courts, en fait. Voilà, vous voyez, c'est déjà la fin. Voilà, je vais essayer de faire le coup. Oh. Hey, j'ai failli me prendre la coupole. C'est vrai que je l'avais oublié, celle-là. Oui, il y a des moments, il va avoir un truc un peu vicieux, un ennemi qui est juste au niveau de la fin. Histoire de bien vous emmerder. Allez, là, on va récupérer un item chez Toad. Donc là, je vais parfois refaire la traduction. Il dit la même chose à chaque fois. Ah, une fleur de feu. Voilà, allez, c'est parti. On va découvrir un type de niveau assez particulier. C'est un niveau très très court, mais avec un ennemi que vous allez reconnaître immédiatement. Et oui, le... Oh putain, j'ai failli me le prendre. Le frère marteau. Et oui, là, cette fois-ci, contrairement aux deux précédents Super Mario Bros, les frères marteaux n'apparaîtront plus dans les niveaux. Ils apparaîtront comme ça sur la carte, et quand vous tombez dessus, bah, vous devez les affronter. Et ça vous donne un item. Et très généralement, c'est une étoile, hein. Enfin, ça dépend les mondes, en fait. Là, ici, c'est une étoile. Dans le monde 2, il y en a un qui nous donne un marteau ou des trucs comme ça. Donc, en fait, je dis n'importe quoi, c'est pas toujours une étoile. J'ai dit des grosses conneries. Enfin, bref. Donc, c'est parti. On va se faire le château du monde 1. Oh, c'est terrible! Le roi a été transformé! Merci de trouver la baguette magique pour que nous puissions le retransformer. Ouais, c'est cool. Donc là, ça nous explique vite fait l'histoire, hein. Donc en fait, Bowser a envoyé ses 7 enfants récupérer les... enfin, je sais pas si les autres... Ils ont... Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont en fait volé des sorts de baguettes magiques à ses rois et les ont transformés en animaux, en fait. Donc voilà, donc là, le roi du monde 1 est changé en chien. Allez, c'est parti. Là, on arrive dans une catégorie de niveaux que j'aime bien. Les niveaux sur la forteresse volante. Bon, ça dit, je les aime bien, mais ils sont chiants. Parce que là, vous voyez, il y a des bits-balles, il y a des boulets, des bits-balles de partout. Encore celui-là est facile, hein. Voilà, juste attention à celui au-dessus. Vous aurez remarqué aussi que c'est une sorte de bateau volant, en fait. Ah, j'ai pas envie de la prendre. Oh, oh putain, ouf, c'est pas passé loin. Donc comme je le disais, le bateau volant bouge du haut vers le bas très régulièrement. Et le mouvement des boulets et des bilballes sont directement influencés par ce changement. En fait, ce qui se passe, c'est la hauteur du bateau va changer, en fait, mais une bilballe par exemple qui va tout droit ne va pas aller de haut en bas. Elle va rester sur la même hauteur, si je puis dire. Bon allez, c'est parti, on rentre dans le tuyau et on va affronter le premier fils de Bowser. Ça doit être Iggy si je dis pas de conneries. Remarque, le problème c'est que les noms sont pas précisés, donc... Bon là c'est pas compliqué, je saute 3 fois dessus. Et voilà. Et là je vais vous laisser écouter le jingle parce que je l'aime bien. Merci, j'ai retrouvé mon moi-même. Merci beaucoup. Voici une lettre de la princesse. Oui, bon, je sais, la traduction est peut-être un peu boiteuse, mais bon, au moins. Alors ça, greetings, ne me demandez pas ce que ça veut dire, hein. Alors, si tu vois un fantôme, fais attention. Ils te prendront en chasse si tu leur tournes le dos. Alors là, ensuite, la deuxième phrase, c'est j'ai enfermé, enfin, en gros, j'ai mis dans cette lettre un item qui pourra vous protéger, Princesse Toadstool. Et l'item, donc c'est le truc qui clignote, hein, c'est une LP. Et on accède au deuxième monde. Donc voilà l'LP, là, si vous voulez, elle apparaît dans ma barre d'items et je peux l'utiliser. Alors en fait, qu'est-ce que l'LP? L'LP, en fait, elle va me mettre en feuille, sauf que si vous voulez, j'aurai le P clignotant qui est ici sur la barre de score. Le P clignotera en fait en permanence pendant tout le niveau. Donc ça peut parfois servir, hein, mais bon. Personnellement, je vais pas l'utiliser tout de suite. Bon, même l'étoile, c'est pas génial, hein. L'étoile, ça permet de commencer le niveau en étant directement invincible, mais on a... ça dure genre pas longtemps, quoi.
Voilà, bon, sinon là vous voyez que les flûtes j'en ai déjà deux, mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas les utiliser, hein. Enfin bref, donc on va s'arrêter ici. Oui, je sais, la vidéo fait pas une demi-heure, mais je vais essayer de faire un découpage monde par monde, hein, pour que ce soit assez clair. Enfin bref, donc on va s'arrêter ici pour cette première partie. Je vous dis ciao et à la prochaine. Was laughing after the circumstances I've been shockingly nice.